Italie. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Lucio Valenzi, qui nous parlera du livre de son père et des mémoires de son père. Mais avant de commencer, permettez-moi de remercier M. l'ambassadeur Gianluca Magliano qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être ici ce soir. Je lui passerai tout de suite le micro par la suite pour qu'il donne lui aussi un message de bienvenue. Et puis je passerai la parole à M. Michele Canonica qui sera le modérateur de la soirée. Le livre qu'on va présenter ce soir est un livre très intéressant. Personnellement, j'ai lu Madame Valenzi, j'ai trouvé de ma part très intéressant. Car, avant tout, il faut que je dise qu'on avait eu ici la présentation du livre Mabruk de Madame Gallico il y a quelques années, qui avait été présenté ici à Paris quand il était sorti, et on avait eu le plaisir d'avoir la fille Chiara qui avait présenté le livre il y a quelques années déjà. Et d'ailleurs, moi aussi, j'ai un souvenir personnel, parce que je n'ai jamais connu ni les Gallico ni l'Espano, mais j'ai été collègue, quand j'enseignais encore au lycée, collègue de la Francesca Spano, qui ensuite, hélas, est décédée prématurément. Donc, c'est un souvenir que je garde d'une famille très forte, notamment très engagée politiquement, très, très intéressée à la vie d'Italie. Car en effet, les Gallico et les Spano sont été parmi les premiers députés de la Costituente italienne. En lisant le livre, j'ai eu un autre souvenir personnel, car à un moment donné, le maire Valenzi parle de ses rapports avec l'Olivetti. À ce temps-là, moi j'étais fonctionnaire de l'Olivetti, je me rappelle, c'était une période déjà difficile, les années 80. Et il était venu à Ivrée une fois, évidemment, pour parler de la cause de l'Olivetti, parce que c'était un moment de crise, et je pense que c'est la première fois où à Marcianise et Pozzuoli, il y avait peut-être le risque de quelques centaines de... Sì, l'architecte Luigi Cosenza, voilà, qui avait fait l'Olivetti à Naples. Oui, exactement. Oui, je me rappelle, c'était des bâtiments magnifiques. Donc, dans cette salle où Mabruk a été présenté ce soir, il y a à nouveau une présentation d'un livre qui nous rappelle un petit peu la période finalement très difficile des Italiens qui ont été fourruscits à Tunis et en Tunisie dans un moment très difficile de l'Italie, mais je n'anticipe rien car je pense que Michele Canonica et puis vous-même, vous parlerez beaucoup de cette période. Mais avant de commencer, je demande alors à Monsieur l'ambassadeur de nous dire un mot d'introduction au colloque de ce soir. Grazie professor Bacone. Je suis très heureux d'être ce soir ici. Je suis venu un peu à l'avance parce que je voulais profiter pour revoir Madame Lucia Valenzi, lui rendre hommage et la remercier pour être ici ce soir chez nous. On présente un livre important. Je m'excuse si je vais quitter un peu plus tôt par rapport au déroulé de la soirée, mais j'ai un événement à l'ambassade même qui va commencer bientôt autour d'une exposition qui est en cours à l'ambassade sur Léonard, les 500 ans de son arrivée en France. Mais je tenais à être ici parce que c'est un beau moment, le livre est le prétexte, si on peut dire, pour se pencher sur une partie de l'histoire de l'Italie, l'histoire de la Méditerranée et l'histoire d'une personnalité que vous connaissez sûrement, mais qui est un beau paradigme de ce qu'ont été des Italiens qui ont marqué l'histoire des villes et de l'Europe. Le parcours, c'est un parcours très fort. Un Italien qui est à Tunis, qui choisit Naples, parce qu'étant appelé après la guerre à être à Naples, mais il a choisi parce qu'il aurait pu aller ailleurs, et qui devient un Napolitain d'excellence, de par sa culture, bien entendu, sa formation, artiste, peintre, son engagement politique et sa droiture morale. Et donc, à travers son livre, je me réjouis qu'il soit traduit en français,
on retrouve un morceau d'histoire d'Italie qui a toujours de la signification aujourd'hui, parce qu'il faut toujours être engagé sur le développement des villes, sur un scénario européen. Maurizio Valenzi était parlementaire européen, en venant du bassin de la civilisation qui est la Méditerranée. Et c'est une très belle synthèse, d'une personnalité. J'ai eu l'honneur de voir, de croiser son chemin au début des années 80. Et malgré des moments très durs de sa vie, il a toujours eu la capacité de remonter, regarder le développement de l'histoire dans le positif. Les moments tragiques qui sont l'ébauche d'une renaissance. Et quand on voit aussi ses propos, son histoire dans des moments difficiles, quand il était prisonnier, était torturé, et on voit la capacité de ces personnages d'être protagonistes de l'espoir, de l'espérance, et pas au contraire de la haine, pas au contraire des sentiments envers la société ou envers les autres. Le rapport avec la France, c'est un rapport tout particulier. Il a été ici, et il a souffert, mais il aimait la France comme l'Europe. Et donc, être ici à Paris pour présenter ce livre a beaucoup de signification. Je ne veux rien ajouter, si ce n'est que moi-même, aimant la peinture, je pense qu'avoir des personnalités qui naissent de l'art, c'est quelque chose d'assez rare, d'être très spécial, et je peux dire très précieux à en juger par le résultat. Merci, merci Madame Valenzi. Merci pour être merci ici parmi nous et nous donner cette opportunité vraiment extraordinaire. Merci. Voilà, donc merci à M. l'ambassadeur. On va écouter des morceaux de ce livre, la lecture des morceaux de ce livre, de la part de Lucia Balsasson, qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous. Elle fait partie de la famille, elle fait partie de ce milieu juif italo-tunisien qui est en partie réuni aujourd'hui dans cette salle pour la partie qui réside justement à Paris. Et, mais en plus, elle est une actrice, elle est une comédienne, et donc elle va exprimer aussi ses talents à travers la lecture de ces passages du livre. Et, au cours de cette soirée, et on va regarder un entretien que j'ai enregistré avec Jacques Lang, lequel s'excuse infiniment, mais il n'est pas à Paris aujourd'hui et par conséquent il ne sera pas présent dans cette salle, mais vers la fin de notre soirée vous allez voir ces quelques minutes de l'entretien qu'il m'a accordé et qui concerne justement ses relations avec Maurizio Valenzi. Voilà. Donc, on va maintenant se consacrer à la première partie. Nous allons diviser la soirée en trois parties. La première partie concerne l'époque, la période tunisienne. Donc, Maurizio Valenzi est né à Tunis en 1909. Il est mort, je le rappelle, en 2009, quand il était près de son centième anniversaire. Alors là, déjà, j'aimerais écouter un témoignage de Lucia Valenzi au sujet de son père dans la période tunisienne, dans une période où tu n'étais pas encore né, bien sûr. Non, c'est mais de toute manière, tu as entendu parler de cela à plusieurs reprises et donc tu peux nous renseigner un peu sur cette première période. Eh oui, d'ailleurs, beaucoup de monde qui est là dans la salle, je crois qu'il y a beaucoup de souvenirs de famille. Donc, il y avait ce milieu juif, italien, ou enfin, c'était tous un peu bilingues, italien et français. Tout le monde parlait un peu les deux langues et quelques mots d'arabe.
Et mon père, quand même là-bas, a vécu donc dans des familles assez ouvertes, dans certains points de vue culturels. Mais quand même, c'était de la bourgeoisie coloniale qui vivait un peu sur l'oppression de la population arabe. Et donc mon père a des souvenirs même de son enfance où il y avait un peu un contraste, voilà, il y avait une contradiction entre cette culture verte très projetée vers l'Europe, la Tunisie, même si c'était dans la pleine périphérie, parce que c'était de l'Afrique du Nord, était très vivante du point de vue culturel et attachée à Paris, à l'Europe. Mais de l'autre côté, il voyait des choses, d'ailleurs on va lire des passages du livre, où il reste glacé par des choses qui arrivaient. Et quelque chose qui l'a beaucoup bouleversé a été le pogrom de Constantine en Algérie, parce qu'il y avait des trains de réfugiés qui s'échappaient du pogrom. Et les Arabes avaient fait le pogrom et les Français regardaient tranquillement la scène. Ils n'étaient pas intervenus, les militaires français, pour empêcher le massacre. Et à un certain moment, il a vu un tract, un feuille, on ne peut pas dire un journal, parce que c'était un seul truc, du Parti communiste qui essayait de donner une explication rationnelle de ce qui se passait, en parlant de la colonisation et de la volonté des colonisateurs de laisser les ethnies séparées en lutte entre eux, parce que c'était plus facile de contrôler, de dominer la situation. Alors ça lui a donné comme une clé, une réponse pour comprendre la réalité qu'il était en train de vivre. Et je crois que c'est important. Même quand il a fait le journal L'Italiano di Tunisie, avec son ami Loris Gallico et les autres, il y avait un essai d'analyser et de raisonner de la situation de la Tunisie et des populations qui étaient en Tunisie. Un effort d'analyse économique sociale de ce qui se passait. Ce qui veut dire que même s'il était devenu un véritable Napolitain d'adoption, de toute manière, ce lien avec la Tunisie est resté bien présent dans sa personnalité. Oui, même dans ses rapports, parce que par exemple, dans la prison de l'Algérie, Lambez a connu les indépendantistes du néo-destour arabe. Et en particulier, je peux raconter un petit épisode que j'ai vécu personnellement. Je suis allée en Tunisie en 2012, parce qu'on a fait une exposition dans l'Institut italien de culture. Il y avait Napolitano, le président de la République à l'époque, qui était venu à Tunis pour parler à l'Assemblée de la Constitution, enfin tunisienne récente, et s'est arrêté aussi voir l'exposition. Est venu quelqu'un avec un livre, avec les dessins de mon père. Et puis il m'a raconté que c'était le fils de Bai Ladgham, que c'était à l'époque de Bourguiba, mais le premier parti du gouvernement de Bourguiba était le numéro 2. Et c'était justement un des prisonniers dans l'Ambèze. Et mon père avait un grand. Il était très ami avec lui parce que c'était un des peu dans le groupe des Arabes qui avait écouté avec un peu d'intérêt ce que mon père disait sur la nécessité de la lutte antifasciste. Parce que beaucoup d'Arabes faisaient le discours l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Alors, si les fascistes sont contre les Français, c'est les ennemis, donc on est amis des fascistes. Et d'ailleurs, Mussolini avait fait tout un travail pour essayer l'espadon là de l'islam. De l'islam en Libye. Et de toute manière, la Tunisie faisait partie. Avait invité Bourguiba, qui il n'a pas cédé. Enfin, il est allé, mais il n'a rien fait pour Mussolini. La Tunisie faisait partie
partie des ambitions territoriales du fascisme. Et puis à la fin a été vendu, si on peut dire, a été liquidé parce que lui, il y a eu les accords Laval, Mussolini et Laval qui au contraire ont mis en difficulté la communauté italienne en Tunisie. Ah bon, en retournant à l'histoire qui est un peu curieuse, ce Bayladgham que moi j'avais entendu toujours à la maison parler de lui, et alors le type que c'est un médecin de Tunis qui a eu d'ailleurs même une charge dans le nouveau gouvernement dans une certaine période, après Ben Ali. Et il a dit que pratiquement ce Bayladgham était toujours en fuite parce qu'il ne pouvait pas rester après la guerre en Tunisie parce que les Français le poursuivaient. Et alors il essayait de rentrer aux États-Unis, puis il ne pouvait pas rester longtemps aux États-Unis parce qu'il n'avait pas le papier vert, non, il n'était pas autorisé. Donc il risquait de rester quelques mois, puis il allait ailleurs. Et à un certain moment, il est à Naples. Il marche de via Santa Lucia et à un certain moment, il y a quelqu'un sur un panchariot, comme on dit, pour emmener les touristes avec le cheval, comme ça. La carrozzella. La carrozzella, sì. Et il y avait mon père en dessous qui commence à crier « Bye, bye !» Il voit Bayladgham par hasard dans la rue à Naples. Et ils se sont rencontrés. Et c'est vraiment un hasard très curieux parce que les deux ne savaient rien plus l'un de l'autre. Ah, vous voyez. Lui, il avait 5 ans, il se rappelle cet épisode. Et puis la mère m'a dit que lui avait raconté à la mère de cette rencontre, et qui était, j'espère, qui est encore vivante. Et la mère a pleuré parce qu'il s'est rappelé justement de ce rapport. Et comme mon père l'avait, après il l'a aidé parce que lui a. Il était, même la police italienne lui donnait des histoires parce qu'il n'était pas autorisé à rester en Italie, enfin il y a eu des tas de problèmes. Et on a trouvé aussi un petit discours de mon père au Parlement, qu'il dit, il faisait un discours contre la politique du gouvernement italien, qui ne savait pas faire des alliances avec les pays de l'Afrique du Nord. Il dit, vous avez même chassé celui-là, Bayladgham, qui était le numéro, est devenu le vice-président de la République tunisienne, et c'est pas comme ça qu'on fait une politique. Et tout ça. Et je sais pas pourquoi on est arrivé à ce point. Parce qu'on parlait du lien de ton père avec, oui, avec la Tunisie. Et il est retourné quand il était au Parlement, et même il s'occupait aussi des Italiens qui, après l'indépendance, ont été chassés pratiquement. Et qui étaient en difficulté, qui étaient tous plus ou moins de droite, mais quand même étaient des réfugiés, parce que maintenant on parle tellement des réfugiés, mais il y en a eu des tas de situations de réfugiés d'un côté et de l'autre. Alors, parmi les Italiens qui sont restés en Tunisie, il y a la famille Finzi, et là je tiens à citer Silvia Finzi, qui est ma collègue en tant que présidente du comité de la Dante de Tunis. Oui. En fait, j'aurais beaucoup aimé organiser cette soirée en collaboration avec le comité de Tunis. Simplement, Silvia Finzi m'a écrit pour dire qu'elle avait plusieurs raisons personnelles qui l'empêchaient de venir ici. Mais reste le fait que Silvia et notamment son père ont été les animateurs de la culture italienne en Tunisie. Ils ont édité un journal en langue italienne. Donc, malgré le départ d'une bonne partie de ces Italiens qui vivaient en Tunisie, il y a toujours une présence économique et culturelle qui n'est pas négligeable. Oui. Alors, est-ce que nous pouvons peut-être, si tu es d'accord, on pourrait écouter un passage de ce livre que nous présentons ce soir qui concerne justement la période tunisienne. Lucia Bensasson. J'ai vu un officier français gifler un vieil arabe parce qu'en marchant, il a piétiné son ombre. J'ai compris ce que signifiait le mot racisme.
La peinture me passionne de plus en plus. Ma première œuvre a été un portrait de Dante Alighieri, copié d'après un livre que j'avais quand j'étais enfant. J'ai connu Moses Levi, Livournais de Tunis. J'ai connu aussi Antonio Corpora, peintre abstrait, sicilien de Tunis, déjà célèbre. C'est avec lui que je partage la première exposition africaine en 1931, au siège de la société Dante Alighieri, un signe du destin. 1934. Finalement, après des discussions interminables avec d'autres sympathisants, dans le secret des maisons, j'ai choisi moi aussi le communisme. J'avais acheté un beau smoking, mais je l'ai rangé dans l'armoire sans le porter. La révolution n'est pas une valse en amis de soirée. Le centre de Paris brille de mille feux. Comme tant d'autres antifascistes venus ici, je cherche un lieu pour dormir et un autre pour réfléchir. Je trouve un logement dans un hôtel de troisième catégorie rue des Écoles, dans le quartier latin. Je travaille au journal La Voce degli Italiani, rue de Stockholm. Je m'occupe des nouvelles d'Italie. La salle de rédaction est un incessant va-et-vient des exilés. Je marche boulevard Saint-Michel, la rue des étudiants. Je croise une jeune fille qui pleure. Je la reconnais. C'est Litsa Chitanova, l'ancienne petite pianiste de Tunis. Elle fait ses études à la Sorbonne pour devenir professeure d'italien. Elle est convaincue qu'elle a été recalée à un examen. Je lui offre un apéritif pour lui redonner du courage. Quand je la revois plus tard, elle sourit. Elle avait été reçue avec une bonne note. Nous nous découvrons que nous avons les mêmes idées, peut-être quelque chose de plus. Nuages de guerre. Pourtant, l'été 1939 est beau, avec des baignades sur les plages blanches de Kéredine et de Carthage, les discussions enflammées et la chaleur de l'amitié. Tout cela passe trop vite. Aidés des dockers arabes, nous glissons des tracts de propagande dans les ballots de marchandises à destination de l'Italie. Sous prétexte de parties de bridge régulièrement interrompues au milieu, nous faisons de l'éducation politique. Amen dans la Espagne, on nous donne des cours sur les classiques du marxisme et sur l'histoire de l'Italie. Nous ne cessons de lire et relire Naples, un opuscule écrit par Sereni. Michelino Rossi, revenu de Paris, travaille à Tunis dans l'organisation du parti. Il est arrêté en avril 1940 avec Ruggero Gallico et d'autres. Il est difficile d'avoir de leurs nouvelles. Plus d'un an après, en plein été, Michelino nous fait la surprise de réapparaître sur la plage. Nous en maillot de bain, lui entièrement habillé, l'air sournois, elle fait « Ciao, elles sont belles les vacances !» Embrassade, poignée de main. « Finalement, tu es revenu ?»« Mais non, » dit-il, « j'ai eu seulement un jour de congé. Demain, j'y retourne. Nous avons été contents de le revoir. » La police aussi. Elle a dû certainement le filer et a eu confirmation des soupçons qui pèsent sur nous, ses amis. En prison, un jeune arabe me dit « N'aie pas peur. Je suis quelqu'un de bien, je suis un voleur. » Sur la peau, il a des trous noirs comme des marques de brûlure. Il saisit mon regard interrogateur. Ils m'ont torturé à l'électricité, dit-il. Il demandait où j'avais caché le butin, 20 000 francs, mais je n'ai pas dit un mot. Tu sais comment j'ai fait pour résister ? Je ne cessais pas de penser à l'argent, à la richesse qui m'attendait. C'était une bonne raison pour se taire. Après une nuit cauchemardesque, le voyage reprend vers la prison de Bizerte, zone sous contrôle de la commission militaire italo-allemande. Notre convoi part de la gare de Tunis. Spano l'a appris, il appelle Litsa et lui confie un message codé pour moi. Tu es sa femme, on ne te refusera pas de le saluer. Je sursaute en reconnaissant la silhouette de Litsa par la fenêtre du train. Litsa me regarde fixement, elle voit un homme pâle, marqué par les privations. Nous avons peu de temps, nous parlons sans arrêt. Elle en oublie le message secret. Elle avoue son amnésie,
à la direction clandestine du parti. Elle reçoit une lettre de rappel. Tu as commis un geste indigne. Enfin, libre. On nous amène saluer De Gaulle. Nous, un groupe d'antifascistes, anciens bagnards, plutôt mal en point. Lui, en uniforme de gala, grand et solennel, entouré de son état-major. Il se présente, non pas comme général ou président, mais comme Charles de Gaulle, condamné à mort. Spano fait un pas en avant, serre la main tendue et dit « Velio Spano, condamné à mort deux fois ». Voilà, permettez-moi de souligner dans ce passage admirablement proposé par Lucia Bansasson au moins deux choses, c'est-à-dire d'un côté la présence de Paris dans cette époque, dans cette période tunisienne, ce qui fait que Maurizio Valenzi avait une appartenance culturelle française aussi. Ça, c'est très important, n'est-ce pas, pour définir sa complexe personnalité. Et puis, il y a la référence à la torture à l'électricité qu'il avait subie lui aussi. Et sur cela, peut-être, tu peux fournir quelques éléments supplémentaires. C'est-à-dire, il avait été arrêté à l'époque où l'Afrique du Nord était sous l'emprise du régime de Vichy. Et donc, c'était les, disons, Français vichysois qui l'ont arrêté, qui souhaitaient le faire parler. Il n'a pas parlé et il a été torturé de cette manière atroce, n'est-ce pas? Oui. Et lui raconte, je crois, dans ce livre et dans d'autres aussi, qu'il a peut-être avec plus de détails, qu'à un certain moment, puisqu'il voulait bloquer, faire quelque chose pour éviter les tortures, et alors il a fait semblant de vouloir se suicider. Il a pris un clou, et il s'est troué le poignard, et donc sorti beaucoup de sang, et ce qui lui a permis, qu'ils l'ont amené à l'infirmerie. J'ai fait un petit livre sur ma mère aussi, et je commence avec, il y a un petit billet de la prison, qui est la demande de ma mère pour parler dans la prison. Et tout ça, c'était encadré dans la maison où j'habitais avec mes parents, et était encadré à l'entrée. Je dis des gens mettent la licence d'études ou d'autres choses. Hein. Et c'était, enfin pour les communistes, c'était la véritable université, hein, la prison. Et c'était le titre, non, le titre. Et oui, mon père, il a vécu des choses très dramatiques. Mais ce que j'aime mieux souligner, qu'il a toujours conservé une ironie, une capacité de... Aussi, moi, quand j'étais petite, j'entendais tout le groupe, malheureusement plusieurs, c'est la nature, ils sont plus là. Par exemple, ma tante Delia qui a été arrêtée avec... il était encore en train de donner le lait à sa petite, à Thérèse, qui est là. Et elle était à l'isolement complet. Donc, il me racontait, par exemple, que la petite était promenée par des prostituées, des femmes qui étaient en prison, parce qu'elle ne pouvait pas sortir, même pas dans la cour de la prison. Et puis l'autre, mon oncle Clé, qui a été condamné à mort, comment on dit, en contumace en français, enfin, qu'ils ne l'ont pas attrapé.
Et alors, et puis il y avait d'autres, les Gallico et tout. Et alors, moi, je me rappelle des soirées d'été à Ischia, à la mer, on était en vacances. Ils se réunissaient, il y avait alors, je crois, une dizaine d'eux. Et ils riaient, ils se racontaient tout ça avec comme des choses marrantes, drôles qui s'étaient arrivées. Moi, je crois aussi que la jeunesse. L'énorme adhésion idéale à la lutte qu'il était en train de faire lui donnait une force de vivre tout ça et après de pouvoir le raconter d'une façon même, je ne dis pas agréable, mais enfin drôle même, non, les épisodes. Alors, tous ces propos nous fournissent une bonne transition vers la deuxième période de la vie de Maurizio Valenzi, dont on va s'occuper ce soir, c'est-à-dire que son arrivée en Italie, et notamment à Naples en 1944, a été décidée par son parti, par le Parti communiste italien, qui a été vraiment sa maison pendant la quasi-totalité de son existence. Il faut rappeler que le Parti communiste italien a été quelque chose de très spécial, cela a été reconnu par l'ensemble de la gauche européenne, dans la mesure où c'était un parti plus, entre guillemets, libéral que les autres, dans la mesure où il n'a jamais eu un programme, on en parlait tout à l'heure avec Lucia, n'a jamais eu un programme comment dire, collectiviste à 100%, où il a toujours été dominé par des intellectuels soucieux de défendre leur liberté d'expression, et donc il n'a jamais été dominé par une bureaucratie écrasante. Donc, c'est intéressant de constater que l'engagement politique de Maurizio Valenzi n'est pas quelque chose d'extérieur à sa vie privée. Cela fait partie de son engagement personnel, même de sa vie familiale. Quand il arrive à Naples en 1944, c'est le moment où il y a déjà eu différents débarquements des Alliés en Italie du Sud, et c'est le moment où le légendaire Palmiro Togliatti vient d'arriver d'Union soviétique. À partir de ce moment, Naples devient sa ville d'adoption. Il sera par la suite sénateur de Naples et puis, comme vous le savez, maire de Naples. Voilà. Oui. Donc, voilà, ce moment de l'arrivée à Naples, cette connaissance. N'oublions pas que la famille de juifs italiens à laquelle Maurizio Valenzi appartenait était originaire de Livourne, pas de Naples. Oui. Mais Naples devient vraiment sa ville. Oui, je crois que Naples, tout de suite l'a conquis parce que c'était quand même une ville de la Méditerranée avec la même ambiance, la même façon enfin, de se relationner des gens. Mais je veux raconter aussi des choses qu'il y a. Enfin, il arrive à Naples et il reste vraiment très choqué par les conditions de la ville, même s'il venait de l'Afrique du Nord et tout ce qu'on veut, mais Naples était dans un état de désespoir et de destruction totale. Naples, c'est la ville qui a eu 101 bombardements pendant la guerre. Et là, il est aidé par un ami, Kizraï, que c'était un juif de Tunis aussi, mais très lié à l'Angleterre. Et il était dans l'intelligence service anglais.
Et alors, il fallait, la première chose, c'était de trouver un appartement où vivre. Et pour Togliatti aussi. Pour eux, enfin, ils ont créé comme communauté, comme on peut dire. Enfin, ils cherchaient un appartement assez grand pour auberger les communistes de passage. Et alors, il y a l'histoire que lui, il va dans un bâtiment dans le centre-ville et il demande à cette femme de lui louer la maison. Et la femme refuse. Alors, il se met d'accord avec son ami espion anglais. Et alors, l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il va là-bas, il va chez la femme et il annonce que le jour après, ils vont réquisitionner l'appartement. Alors, mon père retourne, c'était pas vrai, mon père retourne et la femme tout de suite lui loue la maison parce qu'elle était sûre qu'après, elle l'a aperta. Et finalement, justement, ils ont fait cet appartement à Via Broggia, dans, près du musée archéologique de Naples, et où a vécu Togliatti et les autres. Et puis ma mère, avec mon frère qui était déjà né, sont arrivés, ils les ont rejoints. Et donc, ça a été un moment de la politique italienne vraiment au centre, non, de la politique et de la guerre qui était en cours. Il y avait le grand problème de la monarchie qui était compromis avec le fascisme et avait donc été, n'avait plus de prestige. Et il y avait les libéraux, Benedetto Croce, Sforza et les autres, qui insistaient pour passer à la République. Et Togliatti arrive et fait comme un saut à droite, no? La svolta di Salerno. Con effet, c'est passé à Naples par Salerno, mais à Salerno il y avait le siège du gouvernement. Et c'est dans un petit cinéma de Naples qui est toujours en fonction, il modernissimo, que Togliatti va faire ce discours. Dans lequel il dit qu'il faut laisser de côté pour l'instant la question institutionnelle parce qu'il y a un but principal qui est la lutte contre les nazis et les fascistes et après on verra. Et d'ailleurs c'est comme ça que ça s'est passé parce qu'il y a eu le référendum et tout ça. Donc pour mon père ça a été un moment très important, non, de vivre au centre complet de la vie politique. D'ailleurs... Oui, dans ce livre, on fait référence au fait que ton père s'était réjoui de la victoire de la République dans le référendum institutionnel, mais en même temps avait beaucoup souffert en constatant qu'à Naples, c'était la monarchie qui avait gagné. Et oui, parce que même le nord et le centre de l'Italie ont vécu la résistance et la lutte antifasciste, et le sud, non, et il y avait une tradition de rapport très fort avec la monarchie. Et il y a eu aussi un épisode assez violent, parce que dans la fédération du Parti communiste, elles étaient réunies, d'ailleurs les femmes, et encore, je dois faire un souvenir de ma mère qui était là-bas à l'intérieur. Et à l'extérieur sont arrivés des violents pour la monarchie. Et ils voulaient faire un assaut à l'appartement où il y avait le siège du Parti communiste. Et ils étaient en train de monter même. Ils avaient des armes à feu très... enfin, c'était vraiment inquiétant. Et à l'intérieur, ils n'avaient pas d'armes, ils ne pouvaient pas se défendre. Mon père, il était à l'extérieur et avec Camindola tourné dans les bureaux de police pour essayer d'avoir un aide. Et finalement, à dernière minute, est arrivée l'armée, avec, parce qu'il y avait Romita, c'était le ministre de l'Intérieur. Et donc, finalement, ça s'est débloqué la situation. Il y a eu 7 ou 8 morts, je ne m'appelle plus. Morts. 9 morts entre, oui, qui étaient tous de la
de l'extérieur, en fait, de la monarchie. Heureusement, les autres sont sauvés. Et il a, ma mère avait ce souvenir de Loïs Gallico avec une veste appuyée sur le bras qui essayait de faire calmer les gens à l'intérieur, qui avaient vraiment très peur et ils ne savaient pas du tout quoi faire. Oui, il est certain que les monarchistes napolitains avaient été très excités par ces résultats aussi favorables et en partie imprévus, si l'on considère que la maison de Savoie n'était pas au fond tellement populaire à Naples, où elle avait détrôné les Bourbons. Dans le sentiment populaire, oui. Les Bourbons étaient sostitués par remplacés par le roi. Et donc, il y avait eu ces résultats, mais vraiment étonnant, c'est-à-dire presque 80% dans la ville de Naples en faveur de la monarchie. Et alors, à ce moment-là, ils essayent de percer, rentrer dans l'ambiance, enfin le milieu, pardon, je parle pas trop bien, des quartiers populaires de Naples. Et alors, ils font une assistance aux enfants. Parce que les enfants de Naples étaient dans un état terrible. Ils avaient souffert la faim, ils étaient pleins de maladies, le trachoma, des yeux, enfin de tout. Et alors, ils ont organisé, c'est surtout à Mendola, je crois, c'était une directive qui partait du centre du Parti communiste, et pour aider les enfants pauvres de la ville. Et donc, ils ont organisé des trains pour envoyer chez les familles des paysans de l'Émilie, de la Toscane, enfin, parce que les paysans, quand même, pendant la guerre, ils étaient arrivés plus ou moins à survivre un peu mieux. Et donc, après la guerre, ils avaient encore beaucoup plus que les autres des choses à manger et vivaient un peu mieux. Et alors, et dans ces régions-là, la Toscane, l'Émilie et tout, il y avait beaucoup de communistes. Donc, ils ont organisé chez les mairies et chez les familles des paysans l'accueil de ces enfants qui venaient. Et alors, il y a eu aussi une grande solidarité antérieure à la ville chez la bourgeoisie napolitaine. Et donc, on a recueilli de l'argent. Ma mère s'occupait aussi d'expositions d'art pour recueillir de l'argent. Parce que les enfants, il y avait là, même les médecins, les pédiatres de la faculté qui ont visité ces enfants, puis ils ont acheté des petits manteaux pour les faire partir, parce que quand même au nord il faisait plus froid. Et il y a là aussi des tas d'épisodes, parce que par exemple au pied du train, il y a cet enfant qui monte, il n'a plus le manteau. Je ne parle pas de ce que c'est raconté là-bas. Et donc, il y a des tas d'épisodes. Et mon père se rappelait avec un peu de terreur, peut-être plus que la police, face le fait qu'ils avaient 1000 enfants dans un train, sans les parents, qu'il ne fallait pas perdre surtout, et qui étaient déchaînés. Et les trains du temps, il faut imaginer ce que c'était, parce que ce n'était pas comme maintenant qu'il y a la TAV. Il fallait une journée entière peut-être pour arriver. Il n'y avait pas le TGV. Un voyage très très long. En Italie, là. Et très dur. Donc ça a permis effectivement de rentrer dans les petites ruelles, les vicoli de Naples, où il y avait les prostituées, où il y avait bien des gens très pauvres et qui étaient tous monarchistes. Il y avait une femme qui s'appelait, comment elle s'appelait, Gabriella, qui était la grande chef qui disait non, il ne faut pas envoyer les enfants là-bas parce qu'ils vont manger les enfants. On pensait que les gens allaient. C'est sûr, les communistes ont 3 trous de nez et mangent les enfants. C'était ça.
Qu'est-ce que c'est? Et finalement, quand quelques enfants sont retournés, ou bien les familles sont allées là-bas, et puis ont décidé de rester encore des mois en plus, et tout, elle s'est convaincue, est devenue une des plus grandes fanatiques des communistes. Alors, c'est vraiment le moment d'écouter la lecture de ce deuxième morceau consacré à Naples dans l'après-guerre, cette Naples où arrive Maurizio Valenti en 1944. Naples, ma nouvelle ville, est aussi vieille que le désespoir qui marque le visage des gens. Des voix, des va-et-vient incessants, des milliers de personnes courent d'un côté et de l'autre, comme si elles avaient beaucoup de choses à faire. En réalité, elles doivent seulement survivre. Cette pagaille, même dans la vulgarité de ses expressions, a une grande dignité qui est contagieuse. Poudre de petits pois, galettes de farine de fèves gâtées et autres aliments de secours provoquent un mal au ventre général. Eugenio Reale, qui est diplômé en médecine, nous soigne avec de l'huile de ricin comme un hiérarque fasciste. Parce que vous savez, non, que les fascistes battaient les gens et puis lui donnaient la purga, purge, oui. L'olio di ricino. 11 juin 1946, à la fédération du PCI située Via Medina, à l'emplacement où se trouve maintenant l'hôtel Jolly, on a exposé le drapeau tricolore et le drapeau rouge. L'Itza est là. Devant l'immeuble, les monarchistes se rassemblent, de plus en plus nombreux. Ils renversent un tram, puis se lancent à l'assaut, les armes à la main. La police intervient, la bataille se déchaîne, nous allons donner un coup de main. 11 morts, pas 9, 11 morts et une centaine de blessés restent à terre. Cela a peut-être été une révolte séparatiste. Francesco Rosi a décidé de faire un film sur la spéculation immobilière version Lauro. Il s'intitulera « Main basse sur la ville ». Il voudrait Carlo Fermariello dans le rôle de l'ingénieur Bevita, un homme courageux qui tente de s'opposer aux escroqueries. Carlo est réticent. Quel sens cela a-t-il de faire le cabotin devant la caméra quand Naples étouffe sous les tracas? Objection. C'est une occasion importante, un message politique. Giorgio Napolitano sait se montrer persuasif. Ton refus sentirait le conformisme. Fermariello accepte et devient très populaire. Au fond, il a interprété son propre personnage. Avec l'aide des femmes, nous créons le comité sauvetage enfants. Des trains spéciaux emportent des milliers de petits Napolitains en Émilie et en Toscane pour des vacances à la campagne. Ils seront hébergés chez des agriculteurs et des métayers. Un jour, à Bologne, une crise incompréhensible éclate. Une fillette demande une pazziella et pleure désespérée. Que peut bien être une pazziella? Que faire? L'affaire arrive à la mairie sans avoir été résolue. Tard dans la soirée, Dozza, le maire, téléphone à Naples pour demander de l'aide. Nous lui expliquons que la pazziella est un jouet. Grâce à une petite poupée, tous vécurent heureux et contents. Été 1968. Je suis en vacances à Ischia quand la radio annonce l'invasion soviétique de Prague. Je prends le premier bateau pour Naples avec mon beau-frère, Georges Clementino Attal. Nous discutons. Je dis, si le parti ne prend pas position contre l'envahisseur, je vais peut-être démissionner. Il dit, moi aussi. Heureusement, ce ne sera pas nécessaire. Voilà. Voilà, et comme cela, nous pouvons passer au troisième volet de notre parcours à travers la vie de Maurizio Valenti, c'est-à-dire la longue période où il est devenu un Napolitain à part entière. Il faut dire que d'un côté, il a été adopté, accepté par cette ville qui a donné
est une preuve de non-provincialisme, dans la mesure où lui, qui arrivait de Tunisie, qui était pratiquement culturellement à moitié français, il a été reçu les bras ouverts, vraiment, et il s'est intégré profondément dans la vie de la ville. De l'autre côté, lui, il était fasciné par cette ville qui avait été une grande capitale, qui avait été un port important pour la longue période où les transports ne se passaient ni par train, ni encore moins par avion. Donc le fait d'être un port assuré, un port important, assuré à cette ville une liaison continue, quotidienne, avec le monde entier. Donc lui, il était sans aucun doute fasciné par cette ville, et donc il y a eu ce courant mutuel, réciproque, entre Maurizio Valenzi et Naples. Oui, il y a un témoignage d'une femme, Luciana Viviani, qui a été la fille d'un écrivain de théâtre, peut-être vous ne le connaissez pas, mais qui est quand même très intéressant, Raffaele Viviani, qui est un peu oublié, hein, mais il était vraiment très fort, et du début du XXe siècle. Et elle était devenue députée du Parti communiste. Et une femme très vivante, très extroverse. Ed è vraiment qu'est-ce qu'il y a de plus napolitain, non? Et alors, elle a témoigné qu'elle ne s'était pas perçue du tout comme mon père n'était pas napolitain. Elle a su ça très, beaucoup de temps après. Et elle est tombée des nuages en écoutant qu'il n'était pas napolitain. Et mon père n'avait pas d'accent, ne parlait pas du tout le dialecte et tout. Et donc, vraiment, il y avait un rapport très fort avec cette ville. Et je crois qu'il a eu des occasions de s'éloigner, d'aller à Rome, qui était quand même le centre de la vie politique. Alors peut-être s'il visait à une carrière, comme on dit maintenant, peut-être Rome était l'endroit meilleur pour essayer. Mais finalement... C'est-à-dire s'il avait visé une carrière politique nationale. Oui, pour essayer. De... Mais en effet, ce n'est pas qu'il n'était pas ambitieux, mais il avait quand même intérêt aussi, même à la famille, si vous voulez, parce qu'il racontait que pendant qu'il était quand même à Tunis, même s'il était très attaché à son souvenir de son enfance et de son adolescence, et même la période. Enfin, lui, il est arrivé à Naples qu'il avait 35 ans, donc il n'était pas petit. Mais à Tunis, il y avait, comme Européens, il y avait une haine de la part des Arabes. Et entre les Français et les Italiens, pareil. Entre les Juifs et les Italiens, enfin, tous les groupes étaient un peu en lutte entre eux. Et ils me racontaient, par exemple, que la nuit, ils ne tournaient pas tout seul, jamais, toujours en groupe, prêts à se battre. Et le fait de cette ville qui n'allait pas tellement enquêter, étudier d'où quelqu'un venait, qu'est-ce qu'il venait faire et tout, ça lui a énormément plu. Et surtout, il ne voulait pas trop bouger, parce qu'il voulait quand même, même pour nous les enfants, qu'on ait des racines finalement, qu'on reste à un endroit et on prenne racine quelque part. Et donc, il a eu toujours un lien. Puis, d'ailleurs, quand il est arrivé à Naples, quand même, il était qu'on a raconté, en plein de la vie politique, mais pas seulement politique, culturelle aussi, parce que toute l'intelligentsia napolitaine de l'époque, les écrivains, étaient en contact. Il y avait Paolo Ricci qui était un critique de théâtre et de
un peintre aussi, et chez lui, dans sa maison, on se réunissait tout le monde. L'autre, comme biographe, insomma, enfin, le grand de théâtre Eduardo De Filippo, qui n'était pas communiste du tout, mais quand même avait un très bon rapport avec les communistes. Et puis, enfin, maintenant, c'est pas la peine de dire tous les mots, les noms des personnages. Donc, il y avait quand même des tas d'intellectuels. Et puis, le rapport avec le peuple napolitain à travers le Parti communiste. Et donc, ça s'était créé un rapport très fort. Et lui, il n'avait pas intention de couper ces liens qui s'étaient construits. L'expérience d'administrateur d'une ville aussi difficile l'a assurément beaucoup marqué. Et il l'a beaucoup passionné. C'était une tâche d'une difficulté extrême. Oui, d'une énorme difficulté, mais en même temps... Une tâche passionnante. Oui. Il était très passionné. Il a été très passionné par ça. Ça a été l'expérience politique la plus forte. D'ailleurs, il est allé après au Parlement européen à Strasbourg, mais ce n'est pas du tout la même chose, non? Parce qu'à maire, en général, ça c'est pas lui seulement, enfin, tous les maires ont pu demander, je crois, ils ont un rapport direct avec la population. Il y a un rapport très fort, très direct, avec les problèmes concrets des gens. Donc, du point de vue de la politique, est une expérience très importante, très forte. Mais en même temps, il n'y a pas de triomphalisme chez lui. Parce que la première fois qu'ils avaient gagné les élections, qu'ils avaient gagné la mairie, lui, c'est pas qu'il dit « Ah, parce que c'est beau, on a gagné les élections, on va fêter ». Non, il y avait une énorme inquiétude, parce qu'il y avait une attente, les gens s'attendaient beaucoup. Et il ne savait pas comment faire pour répondre à toutes ces questions, à tous ces problèmes. Et la situation d'ailleurs était assez difficile. On parle il y a 40 ans, la ville n'était pas celle d'aujourd'hui. Elle ressemblait plutôt à cette Naples de l'après-guerre, encore avec les enfants au milieu de la rue, encore avec des difficultés économiques terribles, un chômage énorme. Mais quand même, il y avait une très grande participation. Les années 70 à Naples, même du point de vue culturel, ont été un moment très important. Et surtout, de détachement de la comment on peut dire, d'une tradition assez bête qu'il y avait de la napolitanité, non, la napolitanitude, qui est le Vésuve, les chansons et la pizza, hein. Il y avait un complexe de infériorité, supériorité réunies. Et non, mais il y avait des nouveaux gens qui travaillaient dans le champ culturel, politique, qui voulaient une Naples moderne, oui, qui devienne européenne. Tous les étés, il y avait des spectacles presque gratuits avec un prix très bas. Ils avaient appelé des compagnies qui n'arrivaient jamais au sud de l'Italie, au midi. Oui. Mais pas seulement Naples, mais partout. Et c'était des Anglais, des personnages très connus du point de vue international qui n'arrivaient jamais au sud. Et ils ont réussi à faire ces spectacles. Puis il y avait ces grandes expositions d'art historique, d'accord avec le musée de Capodimonte, sur le 18e et sur le 17e aussi. Et puis ils ont amené ces expositions à New York. Puis est venue la reine Elisabeth aussi avec son yacht dans le golfe de Naples. Enfin, il y a eu quand même, ça ne parle pas que c'est important la reine, mais
C'était des contacts, des mouvements de rapports qui essayaient de relancer l'image de Naples du point de vue international. En même temps, il y avait des trucs sociaux, par exemple, les vacances pour les vieux, les écoles ouvertes pour les enfants, enfin, donc à essayer d'agir sur les deux plans, social et culturel aussi. C'est aussi le fait qu'il était peintre et qu'il regardait, il avait un regard très, une observation très personnelle, non, sur les gens, sur les choses. Et donc il a conquéri des fois la sympathie, même de gens de droite, même de gens d'autres positions politiques, parce que il était assez libre comme... Par exemple, il y a eu deux épisodes comme ça que je veux raconter. Et ils ont nettoyé un immeuble qui était une construction de l'époque fasciste. Et sont sortis sur la pierre les choses qu'avaient écrites les fascistes. Parce qu'à l'époque, ils donnaient une numération des années différentes, non? C'est-à-dire 1930 était l'âge... C'était l'an 8 de l'ère fasciste. Voilà, parce qu'on est marqué depuis... À partir de 1922. Alors, ils ont dit, ah, ça, il faut gratter ça, il faut éliminer. Et il a dit, mais pourquoi? C'est une chose historique, mais non, le fascisme est fini, pourquoi on doit faire ça? Et puis une autre histoire, on a eu, parce que j'ai fait une petite, comment dire, entre parenthèses, que moi j'ai, depuis l'époque là de 2009, mon père est mort, mais même avant qu'il mourait, on a créé une fondation qui est son nom, et le nom aussi de ma mère, Fondation Valenzi. Et on a eu un siège dans le château qui est à l'intérieur de Naples, le Malon Cheval. Fondation dont Lucia Valenzi est présidente. Oui, d'accord. Et pas seulement présidente, mais j'ouvre, je l'écris, je dois faire le courrier, je dois... Présidente et factotum. Mais j'ai deux collaboratrices très fortes qui sont venues avec moi quand même. Et je remercie Rosanna et Antonietta. Il y a quand même Geled... des jeunes gens très gentils, mais quand même, enfin, il est un peu fragile du point de vue ressources. En tout cas, la fondation, je voulais dire, elle est née avec un peu un esprit comme ça, de sortir du schématisme des partis, des courants politiques, essayer de faire un discours social et culturel qui soit un peu plus large, non, sur les intérêts communs, non. Et j'ai eu, c'est à ça que je voulais arriver, même l'adhésion d'un type de la maison de Savoie, de la Duque d'Aosta. Oui. Que c'est le côté un peu mieux de la famille, un peu moins. Et pourquoi? Parce qu'il y avait toute une discussion, si on pouvait accepter que les spoglie, les cadavres, comment on dit, les dépouilles des rois, enfin des Savoie, puissent rentrer en Italie et les mettre à Rome. Et il y a une grande discussion sur la presse. Et à un certain moment, mon père est intervenu et a dit, mais écoutez, qu'est-ce qu'ils peuvent faire des pouilles pour pas retourner la monarchie en Italie, quelle importance. Donc il était favorable. Oui, il a dit, oui, s'ils peuvent retourner. Parce que c'est pas très dangereux, vous voulez dire. Voilà. Et alors, le type était très content de ça. Voilà. Donc, avant d'écouter le troisième morceau, je tiens à remercier, on a déjà remercié l'ambassadeur d'Italie, Gian Domenico Magliano, qui a dû nous quitter, mais je tiens à remercier également le conseiller culturel de l'ambassade, Enrico Pavone, qui est avec nous. Je remercie le président de l'association italique, lequel Paolo Carile est en partie d'origine napolitaine et donc il est, disons, plongé dans ce débat comme un poisson dans l'eau, aurait dit le président Mao. Oui. Et je remercie d'une manière spéciale
deux personnes qui ont été souvent dans cette salle ces dernières années, c'est-à-dire... Ah, il est venu Lucien Sfez, hein? Pardon? Il est venu Lucien Sfez. Ah, voilà. Il est là. Mais, Lucien Sfez. Monsieur Sfez. J'ai maintenant essayé de te dire bonjour tout à l'heure, mais tu étais très... Ah, voilà, là, donc, je ne vous connais pas personnellement, on s'est parlé par téléphone, donc vous ne pouvez pas m'apercevoir. Et moi, ça fait très longtemps. On va vous donner la parole tout à l'heure. Pour conclure, je tenais à remercier d'une manière spéciale Corrado Augias et Daniela Pasti qui ont été souvent dans cette salle ces dernières années. Et Corrado, voilà. Il a présenté des soirées consacrées aux grands classiques de la musique italienne, suivies par un public nombreux, très attentif. Donc, merci encore une fois pour cette participation qu'on va renouveler à l'avenir, je l'espère. Grazie Corrado et grazie Daniela. Voilà. Donc, écoutons encore ce dernier morceau consacré donc à Maurizio Valenzi, sindaco, maire de Naples. J'ai hérité de 500 millions par jour d'intérêts passifs, de dizaines de milliers de chômeurs. Dans la caisse, il n'y a pas une lire. Nous avons des dettes envers tout le monde. Depuis la Banque de Naples jusqu'à la Stazione Zoologica. Nous ne pouvons même plus payer les timbres. Il y a 26 000 employés communaux, embauchés pendant des décennies, depuis Lauro jusqu'à Gava, suivant les méthodes du clientélisme. Ils sont répartis dans 11 syndicats qui se battent déjà pour qui nous mettra le plus en difficulté. Certains ont en poche jusqu'à 6, 7 cartes de ces petits syndicats déchaînés. J'édicte la première règle. Plus personne ne sera embauché sur la base des recommandations, seulement des concours ou sur des listes des bureaux de placement. Je décide de contrôler personnellement la mairie, étage par étage. Dans un couloir, sur une chaise, une dame attend. Qui ? Quoi ? La laisser là me semble peu courtois. Je dis aux huissiers que je la recevrai immédiatement. Silence embarrassé. Enfin, la vérité. C'est une usurière en service permanent, effectif. Elle attend les employés pour les étrangler avec des prêts à un taux d'intérêt très élevé. Je donne l'ordre de la chasser. Mais je suis ici depuis l'époque de Lauro, proteste la femme. Juin 1976. Lors des élections, le PCI passe de 32% à 41% des votes. J'ai peur que les Napolitains n'attendent de nous beaucoup plus que nous ne pouvons faire en réalité. Une femme s'approche de moi dans la cour de Maschio Angioino. Monsieur le maire, j'ai toujours voté démocratie chrétienne, mais mon fils est resté au chômage. Donnez-lui une place, vous êtes des gens bien. Je lui dis que ce n'est pas possible, qu'il faut faire la queue au bureau de placement, attendre les fonds du gouvernement. Elle me regarde désespérée. Vous m'enlevez même l'espoir. Estate a Napoli, 1979. Dans le Maschio Angioino, une foule de jeunes a écouté puis applaudi avec enthousiasme la musique de Beethoven jouée par l'orchestre du San Carlo. Cela vaut peut-être davantage qu'une réunion politique réussie. À Secondigliano, un boss a été assassiné. La Camorra a essayé d'imposer 3 jours de deuil. Et y est arrivé le premier jour. Même les boulangers ont baissé les rideaux métalliques. Quelle honte! J'ai appelé le ministre, le chef de la police. Il a suffi de 110 policiers pour redonner un peu de sérénité au quartier. S'ils ne se sentent pas abandonnés, les gens honnêtes savent réagir. Tous les ans, Naples exporte 5 millions de paires de gants et la ville n'a pas une seule vraie usine de ce type. D'ici, d'autres petits ateliers, plus ou moins clandestins, partent des objets raffinés que Cartier signe à Paris.
fais-je l'apologie du travail au noir? Je fais l'apologie de tous ceux qui travaillent plus que tant d'autres dans d'autres villes. Ceux qui sont obligés de participer à l'économie souterraine parce qu'il n'y a pas mieux. Théâtre San Carlo, 23 novembre 1980, 19h35. Severino Gazzelloni, sa flûte sur la poitrine, reçoit les applaudissements. Je suis debout. Tout à coup, j'ai la tête qui tourne. Je me sens mal. Qu'est-ce qui m'arrive? La scène oscille, tout s'agite. C'est un tremblement de terre. Il semble ne jamais finir. J'arrête une jeune amie qui veut s'échapper. Il faut éviter la panique. Nous nous serrons sous l'arc qui semble le plus solide. Il finit une minute et demie après. Nous sortons tous, tendus, pâles, mais sans pousser. Je suis fière du calme digne de Naples et j'ai peur de ce qui est arrivé. Dehors, beaucoup se défoulent, pleurs, vomissements, évanouissements, auto qui démarre dans un crissement de roues. La terre tremble encore. Où est Lucia? Où est Marco? Je vais vers la mairie pour savoir, pour tenter quelque chose. La place est déjà pleine de gens et de voitures. Monsieur le maire, faites quelque chose. Oui, mais quoi? Dans l'hôtel de ville, je trouve un sous-officier de la police municipale, revenu en courant à son poste. Je décide de le promouvoir capitaine sur le champ. Sont également présents le concierge, 2-3 huissiers, quelques personnes. Les responsables de secteur et les conseillers arrivent par petits groupes. Un seul démocrate chrétien, Bruno Milanesi, arrive. Nous nous réunissons. Quand nous allumons les lumières de Palazzo San Giacomo, des applaudissements montent de la place. C'est émouvant. On va donc confier la conclusion de cette soirée à Lucien Sfez. Mais d'abord, on va regarder l'entretien que j'ai enregistré avec Jacques Lang avant les vacances d'été, un entretien consacré à la figure de Maurizio Valenzi et réalisé pour le site, le très fréquenté site L'Italie en direct. Je suis en compagnie de Jacques Lang, président de l'Institut du monde arabe, une personnalité politique et culturelle que tout le monde connaît en France et en Italie également, bien sûr. Il a fourni un texte fort intéressant pour un livre qui vient de paraître en français, qui était sorti en langue italienne il y a quelques années et qui vient de paraître en français, Maurizio Valenzi, j'avoue que je me suis amusé, itinéraire de Tunis à Naples. C'est l'histoire d'un militant politique, d'un homme de culture, d'un artiste peintre qui a vécu entre la Tunisie, la France, l'Italie, la ville de Naples, où il a été même le premier maire de gauche de cette après-guerre. Alors, votre souvenir de Maurizio Valenzi? Non, c'était un personnage haut en couleur, chaleureux, extraordinairement chaleureux. Et c'était un plaisir de le rencontrer. Et par ailleurs, il a accompli des choses très importantes pour Naples et au-delà de Naples, pour la vie publique. Vous l'avez dit à l'instant, il était le premier maire de gauche à Naples. Il a accompli un immense travail pour rénover les quartiers, pour encourager la culture, pour donner à Naples un rayonnement international. Et à cette époque-là, Maurizio Valenzi était considéré par en Europe comme l'une des figures phares de la gauche nouvelle. Il était un communiste pas tout à fait comme les autres. Il avait, déjà le Parti communiste italien n'était pas tout à fait comme les autres partis communistes, mais en plus, Maurizio avait son tempérament, son style, ses idées, son ouverture d'esprit. Et
il a porté dans le débat politique européen, notamment dans la communauté, disons, de gauche, une vision originale, humaniste. Vraiment, à ce moment-là, il était l'une, je répète, l'une des personnalités fortes de la gauche européenne. Il faisait partie de cette communauté de juifs italiens qui avait rejoint la Tunisie déjà depuis quelques générations, donc il était né à Tunis. Il a souhaité retourner dans le pays d'origine de ses ancêtres, donc il est allé en Italie. Donc un parcours extrêmement complexe et une vie extraordinaire. Extraordinaire. Extraordinaire et il incarnait, je dirais, une sorte d'humanisme universel. Il n'était pas du tout l'homme politique sectaire, étroit d'esprit. Je répète, il avait une vision large des choses et à cette période, il était réellement l'une des personnes dont le nom était cité en France, par exemple, comme étant le symbole d'un socialisme nouveau, un socialisme réformateur et humain. Et j'ai beaucoup travaillé avec lui, nous avons participé à des colloques, des rencontres, des débats. À cette époque-là, je me suis beaucoup battu pour construire une Europe de la culture. Et je me souviens d'ailleurs que nous avions organisé à Naples un séminaire avec des ministres de la culture de différents pays d'Europe et Maurizio était avec nous. Voilà, donc une personnalité non seulement politique mais culturelle. Oui. Hein? C'était un homme de culture, profondément. Un peintre, un artiste, un créateur, mais au-delà, un homme qui se passionnait pour l'art sous toutes ses formes. Et il a beaucoup apporté à la ville de Naples. Et il considérait que la culture était le cœur même d'un changement social, d'un changement de société. De ce point de vue-là, nous étions très proches et nous partagions les mêmes valeurs, les mêmes idées, les mêmes ambitions. Pour vous qui connaissez bien l'Italie, Maurizio Valenzi était un interlocuteur italien de premier plan. De premier plan. Premier plan. Bon, il y en a d'autres que j'ai connus un peu plus tard. Mais à gauche, il y a eu plus tard comment il s'appelait ? Celui qui était. Qui était vice-président du Conseil et ministre de la Culture. Veltroni. Plus tard, il était plus jeune. Veltroni a incarné à sa manière une autre forme, disons, de socialisme nouveau. Et en particulier, Veltroni, qui a fait beaucoup pour la culture en Italie, avait un esprit, comme Maurizio, tourné vers les autres pays. C'est vrai qu'il a été vice-président du Conseil, il a été ministre de la Culture, il a été également, à un certain moment, maire de Rome. Il a été maire de Rome ensuite. Oui. Et il a fait un excellent travail comme maire de Rome. Oui. Bon, c'était aussi une figure, d'ailleurs il est toujours en vie, il écrit des livres, des romans, je crois qu'il est plutôt retiré de la politique, mais il a joué un très grand rôle. Donc c'est ces hommes-là qui font que l'Italie aujourd'hui... est encore un pays qui suscite la curiosité de la France. Mais Maurizio, il a été vraiment à la période de transition entre, je dirais, un communisme un peu étroit et un socialisme humaniste et imaginatif et créatif. Je tiens à souligner que le texte de Jacques Lang se trouve à côté d'un texte de Giorgio Napolitano, ancien président de la République, et d'un texte de Lucien Suez. Giorgio Napolitano a été lui aussi un protagoniste du renouveau de la gauche italienne et européenne. Un personnage que j'aime beaucoup aussi, qui est un homme remarquable et qui a par son intégrité, son sens de la République, contribuer à faciliter les transitions
en Italie. C'est un grand monsieur. Merci, Jacques Lang. Merci à vous, merci. Merci à vous. Là, vous avez vu que Lucien Sweze vient d'être cité lors de cette interview avec Jacques Lang. Et donc, je lui passe la parole car il a très bien connu Maurizio Valenti et il a même écrit sur lui. Il s'est occupé notamment d'un livre dont oui. Il m'a parlé à plusieurs reprises. Mémoire locale, une mémoire locale. Dont on a vu les extraits, le commentaire sur le livre dont vous parlez, on en a vu les extraits avec Pivot. C'était ce livre-là, et c'était ma collection, au plus, oui. Tout simplement. Voilà. Donc, je vous prie, bien sûr, de prendre la parole pour exprimer vos réflexions, mais aussi pour commenter peut-être ce que vous venez d'écouter. Là, je ne sais pas exactement à quel moment de la soirée vous êtes arrivé dès le début. Malheureusement, je ne vous connaissais pas. Je n'ai pas pu vous saluer convenablement. Ce ne sont pas les conclusions que je vais dire, bien sûr que non. Et ce serait un peu prétentieux. C'est peut-être que le principal intérêt de mon intervention, c'est de jeter un coup d'œil comparatif entre les Italiens et les Français, en tout cas les communistes italiens et les communistes français, pour autant que j'ai connu les uns ou les autres. La première chose, c'est qu'est-ce que je fais ici? Alors, qu'est-ce que je fais? Oui, alors je ne vais pas biberonner, ce serait trop. Qu'est-ce que je fais ici? Ce que je fais ici, c'est que un jour, en 78, j'ai rencontré mon cousin germain, Georges Attal, dont je salue la mémoire, j'étais très proche de lui, je l'aimais beaucoup, le père de Thérèse, l'oncle de Lucia, Thérèse et Maria, et l'oncle de Lucia, et il me dit, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Oh, je lui dis, mais tu sais, je fais des enquêtes sur des villes en France. C'était en 78, où on s'intéressait beaucoup à la notion de gestion démocratique, si tu t'en souviens, Robert. La gestion démocratique, la gestion de gauche, qu'est-ce que c'est? Alors, tout le monde s'interrogeait, parce qu'on ne savait pas du tout ce que c'était. Et on savait que ça existait en Italie. On parlait beaucoup de Florence, d'ailleurs. Et personne ne m'avait dit qu'il se passait des choses à Naples tout à fait intéressantes, même si je savais bien entendu que le très intéressant et important Maurizio Valenti, c'était maire de Naples. Mon cousin me dit, mais pars à Naples, on n'est pas là pour longtemps. On va se faire virer un de ces jours, mais il faut y aller, c'est maintenant, c'est le moment. J'ai réfléchi, j'ai pensé que c'était une très bonne idée. J'avais obtenu des crédits du ministère de l'Équipement pour faire un contrat sur la gestion démocratique à Rennes. Il y avait déjà la gauche à Rennes. Et j'ai opéré la transformation. C'est-à-dire qu'avec leur accord, j'ai dit, ce sera pas Rennes, ce sera là, parce que vous êtes d'accord. Ok, allons-y. Bon. Alors, voilà. Arrivent maintenant les deux choses, et même la première, avant même d'être arrivée, qui, par laquelle, c'est de l'anecdote, mais par laquelle déjà Maurizio m'apprenait quelque chose sur Naples. Je l'appelle, il m'avait donné son numéro personnel, je l'appelle, il me dit « oui, c'est très bien, c'est parfait, tu es un Modigliani, oui, il adorait ce genre de remarques. » Ah oui, parce que pour lui, ce qui était très important, c'était pas le peintre d'ailleurs, mais c'était le député Modigliani. Il m'avait dit, ce qui est important, c'est qu'il a joué un rôle important dans la création de la gauche italienne. Bon, donc, c'est très bien, alors je lui dis, est-ce que tu veux qu'on prenne, c'était un mois à l'avance,
Je veux qu'on prenne un rendez-vous, tel ou tel jour, ou telle heure. Je m'imaginais qu'il était tout de même très occupé. Et il me répond, jamais de la vie, quand tu arrives, tu m'appelles. Et là, c'était sidérant, parce que ça ne se fait pas du tout en France. C'est là les remarques que je vous indique tout de suite. Et ça ne se fait pas du tout en France. Dans le système policier dans lequel nous vivons, eh bien, on prend rendez-vous avec des personnages de cette trempe-là, longtemps fixés à l'avance. Il y a le filtre de la secrétaire, et puis on passe une demi-heure, une heure et demie, à deux heures, à traiter le point à l'ordre du jour, et pas un autre, et pas un autre. Bon, alors déjà, ça m'intriguait beaucoup, cette manière de faire, j'ai trouvé ça assez intéressant, mais assez déconcertant. Assez surpris, assez déconcerté par ce procédé. Je me disais, est-ce que vraiment il va se souvenir? Bon, enfin, on va voir. J'arrive à l'aéroport de Naples et, comme prévu, je l'appelle. Ah ben, viens tout de suite. Oh, c'est une merveille, viens tout de suite. D'accord. Alors, c'est tout à fait général. On ne prend pas de rendez-vous longtemps à l'avance, sauf si on veut manifester peut-être un peu de distance, mais ce n'était pas le cas. D'ailleurs, je suis arrivé, ça je ne l'avais pas fait exprès, et je suis arrivé le jour où l'on apprend la mort d'Aldemore, que j'ai apprise à l'escale de Milan par la presse. Alors, évidemment, la mairie était dans cet état d'agitation indescriptible. Quand je suis arrivé à la mairie, il n'était pas encore arrivé, j'ai attendu 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, pas plus. Il arrive avec ses gardes du corps, et il me repère immédiatement, je ne connaissais pas, mais il me repère immédiatement, il me dit bonjour, et très amicalement, et je lui dis, voilà, je te présente, me dit-il. Il me présente à tout le monde. Et je te présente Lucien Sfez, qui est journaliste. Alors je dis, je ne suis pas journaliste. Je ne suis pas journaliste, je suis professeur. Mais parce que c'est en France, un journaliste est un journaliste. Et un professeur est un professeur. Leurs déontologies sont l'une et l'autre extrêmement différentes. Je tenais à marquer la différence tout de suite. Surtout qu'il me présentait des gens. Lui et moi, c'était facile, mais les tiers. Et là, c'était un deuxième enseignement. Le premier, c'était Wagner Schmidt. C'était... Tout se gère dans l'instant. Le deuxième enseignement, c'est, eh bien, les catégories tombent les unes après les autres. Voilà. Alors, pas de programmation, des rendez-vous tout à fait aléatoires, des hiérarchies vagues, enchevêtrées. J'ai retrouvé un peu de calme, il faut dire, à la démocratie chrétienne, hein, qui était à la Chambre des Commerces. Ils étaient là, ils voulaient se donner, en tout cas le ton, de ressembler à des Milanais, c'est-à-dire à des Français. Ils m'appelaient le Milanais d'ailleurs, hein. Je suis à la Naples, ils m'appelaient le Milanais. Oui, le Milanais. Je parlais italien couramment, comme beaucoup d'entre vous ici, mais sans l'accent de Naples, ils m'appelaient le Milanais. Bon. Alors, je suis déconcerté. Mais l'enquête que je vais mener va me déconcerter peut-être davantage. Qu'est-ce que je cherchais? Je vous rappelle, au départ, je cherchais quels étaient les critères d'une gestion démocratique, qui était le grand sujet à la mode, qui revenait de façon récurrente, tout le temps, dans les préparatifs de la gauche française pour marcher un plantement vers le pouvoir. Et je ne trouve pas les clés de la gestion démocratique à Naples. Je ne les trouve pas. Ce n'est pas qu'ils n'étaient pas démocratiques, c'est que c'était tout à fait autre chose que je pouvais trouver. Les gestions démocratiques, on pense avec le petit esprit français cartésien qui est le nôtre, à des délais, à des programmations, à des procédures précises. Bon, rien de tout cela. Rien de tout cela, et en revanche,
en revanche, des ruptures de catégorie, un brouillage généralisé, jusqu'au je veux passer là-dessus parce que je ne veux pas faire un grand topo devant vous, mais jusque, par exemple, un exemple, tu avais eu la gentillesse de me présenter à ton ami Pino Simonet. Bon, eh bien, ça par exemple, il a joué un grand rôle aussi pour m'introduire. Parce que Pino, qui est mort aujourd'hui, Pino Simonet, qui était un des garçons les plus intelligents que j'ai rencontrés, eh bien, était homosexuel. Mais alors, par lui, on avait une sorte de panorama des pratiques de la sexualité à Naples. Et par exemple, il nous a parlé et invité à des mariages d'homosexuels. Mariages d'homosexuels. Alors c'était une chose absolument impensable à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est devenu une banalité. Mais à ce moment-là, c'était impensable. Et Naples était en quelque sorte à la fois très indietro, mais très en avant. C'est justement ces ruptures de temporalité qui étaient constantes. Alors, je n'ai pas trouvé les règles de la gestion démocratique, j'aurais été bien en mal de les trouver, mais j'ai trouvé autre chose. J'ai trouvé une gestion symbolique de l'amitié, de la fraternité, du dialogue, du vivre ensemble, qui était tout à fait extraordinaire. Et je voudrais ici vous lire quelque chose que tu connais bien, toi, Puccia, parce que je sais que ça t'avait intéressé. Le courrier du maire. Tu te souviens de cette extraordinaire chose? On m'a donné un paquet énorme de lettres. On écrivait au maire. Ah, c'est toi qui as ça. Je cherche depuis longtemps. Ah non, je les ai rendues. Rassure-toi. Non, j'en ai fait des photocopies et je vous ai laissé. Tu vois, elle veut me prendre sur le fait d'un vol qualifié. Non, je les ai rendues. Voilà, par exemple... Micro. Oui, mais une seconde, micro, mais moi je cherche... Il faut aller je cherche la page. Je cherche faut lui tenir le micro. Et je vous le donne. Le micro. Alors, ces lettres étaient des suppliques pour obtenir une maison, un travail, une pension, des grâces. Les signataires s'adressaient au maire sur le mode de l'oraison et des formules religieuses y abondaient. J'en relève ici quelques-unes. Je te prie encore, Seigneur Syndaco, au nom de mes enfants, ou encore, je m'en remets à ton infinie bonté et clémence. Ou encore, tu es ma seule ancre de salut. On lui demandait tout, en vrac, de prendre en charge une vieille tante, et une mère, des enfants, de supprimer les rats qui s'introduisent dans le lit des fils, de donner une maison, d'hériter d'un poste de travail. Parce que le père avait eu un poste de travail, puis il était mort, donc on voulait hériter du poste de travail du père. Plainte, menace, chantage. Et menace aussi, oui. Plainte, menace, chantage, voisiné, avec litanie pieuse. Tu es notre père, tu es napolitain, tu es père de famille comme nous, tu es un frère, tu es un homme de cœur, tu es noble. Signor Sindaco, je fais appel à votre sensibilité de mère et de père. Je vous signale le passage au vous, qui signifie que vous s'adressez au roi. Nuance, hein. Précision, le vous, c'est que s'adresser au roi. Alors, je frappe à la porte de ton cœur. Votre bonté, votre sérieux. Je m'adresse à toi parce que tu es une des meilleures figures de Naples, parce que tu es un vrai napolitain. Les communistes eux-mêmes, qui l'interprètent en tant que camarades, membres du parti, usent les mêmes termes et supplient de la même manière, faisant appel aux souvenirs militants et comptant sur leur mérite. Ils écrivent « Monsieur le maire et camarades, il y a là un ajout, un qualificatif supplémentaire qui concerne à la fois le destinataire et le signataire.
Mais le réseau se déroule de la même façon. Puisses-tu m'aider, monsieur le maire? Sans franchir encore la limite religieuse, on peut déjà constater la confusion monarchie-démocratie. C'est pour ça que je pensais beaucoup à ce que vous disiez tout à l'heure, quand tu as parlé des 80% qui ont voté monarchiste à Libération. Ben oui, mais ils n'ont pas disparu en chemin comme ça. Et dans l'esprit des gens, il y a toujours une part de monarchie. Et pour eux, le roi de Naples, c'était le maire de Naples. Donc, la figure du roi reste présente dans la mémoire, accompagnée des attributs de galantouame. Tu es un galantouame. Belouame. Oui, un jour, il m'a demandé de le suivre dans un morceau de campagne électorale qu'il faisait à Bolla. Je l'ai suivi, mais à quelques mètres, je ne voulais pas marcher à côté de lui, parce que je voulais savoir un peu ce que disaient les gens, comment ils se comportaient sur son passage. Alors, il avait changé, il n'avait pas de costard, hein, parce qu'en général, il avait un costard à la mairie. Là, il avait enlevé son costume, et il avait enlevé sa cravate, il avait mis un petit chapeau coquin, et il se promenait dans les rues de Bolla. Et là, je voyais des filles qui se donnaient du coude. Ah, comme est belle! Ah, comme est belle! Bon, c'était tout à fait étonnant. La demande de grâce s'accompagne d'une exigence dans le temps. C'est tout de suite, subito, instantanément, qu'il faut répondre. Après, ce sera trop tard. Le temps monarchique, c'est du temps instantané. C'est toujours cette histoire de temps qui était au centre des choses. Hein. Le temps monarchique, c'est du temps instantané. Pas le temps de la raison qui nous voit exige un long apprentissage et un programme. Non, la puissance royale, c'est une puissance miracle. Elle s'accomplit sur le champ. Ne souffre pas de délai. C'est la parole magique. Le décret de droit divin. Bien décevantes, alors, sont les réponses du maire, Maurizio. Attendez, luttez partout, égalitairement. Je ne peux pas vous privilégier. Le travail démocratique est difficile, long, pénible. C'est une lutte commune. Alors, vous voyez ici la réponse d'un politique démocratique, rationnel, qui ne raisonne pas du tout dans les termes de monarchie, de droit divin. La réponse politique s'oppose vainement à la foi religieuse, elle ne peut pas en venir à bout. D'année en année, malgré les réponses opiniâtres du maire, les lettres continuaient sur le même ton. Voilà. Alors, donc, voilà ce que je trouve, mais j'en trouve de nombreux exemples, hein, pas seulement dans ce courrier des Vaux. Je trouve de nombreux exemples de cette gestion symbolique et je voudrais conclure sur Maurizio Venezia. Ce communiste, résistant convaincu, a réussi à se couler dans le modèle napolitain absolument étranger à sa propre raison. Il en a intégré les façons de faire, les subtilités, voire les ruses, une véritable culture de la métisse, tout en compromis, en arrangement. Il a réussi en quelque sorte à se faire napolitain en faisant le napolitain. Il est resté lui-même en même temps, ce qui est un tour de force ou de magie. En un seul mot, il me semble que on peut, en analysant l'exemple de Maurizio Valenzi, substitué au couple platonicien du philosophe roi, un autre couple qu'il a inventé et qui est celui du gouvernant artiste. Merci Lucien Fraise pour cette intervention qui a été une réflexion, mais aussi un témoignage que tout le monde a écouté avec une grande attention. Je propose à Lucia Valenzi de conclure nos travaux d'aujourd'hui
avec peut-être un message final au sujet de ce que son père a représenté pour Naples, pour les Juifs de Tunisie, pour les Italiens, pour la politique italienne, pour la politique européenne. Là, Jacques Lang vient de nous dire que, qu'il considérait Maurizio Valenti comme un véritable maître à penser. Voilà, Lucia. Ben, peut-être que c'est un peu trop... trop ambitieux. Et même trop de responsabilité, tu me donnes. Et je veux un peu diminuer le niveau de... d'un côté, je pense, enfin, l'effort qu'on fait sur la mémoire, je crois que c'est important pour aujourd'hui, par rapport à ce qu'on vit en ce moment même. Ce n'est pas seulement un jeu comme ça intellectuel, mais c'est un instrument pour comprendre le moment actuel et pour répondre en quelque façon au moment actuel. Donc, je pense les messages qui sont sortis quand même des fragments, je crois que nous donnent des instruments. Et d'autre côté, non, plus simplement, je veux dire que je suis très heureuse d'être venue ici. Je remercie énormément la Maison d'Italie, dans la personne de Roberto Giacone, et toi, comme société d'intelligence. Et moi aussi, je tiens à remercier Roberto Giacone pour son hospitalité toujours formidable. Et pour tout. Et d'une chose, je suis très heureuse que dans cette salle, se sont rencontrés, à cause de moi, des gens qui habitent Paris toujours et qui ne se rencontrent pas très souvent. Et que j'ai vu qu'ils étaient contents de se revoir.